Salut à tous, avec le coach Galago. Je reviens après 2 semaines d'absence. Est-ce que j'ai besoin de prendre des vacances, tout ça, je suis parti très très loin, je suis resté dans mon salon. Par contre, j'ai retrouvé le chapeau. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, remets-le. Et donc ce petit break, parce qu'on était en train de bosser comme des foufous avec Simon Dorin sur une refonte totale du site galagomusic.com. Donc si vous l'avez pas encore visité, je vous invite chaleureusement à découvrir galagomusic.com version 2020. Et là, c'est beaucoup plus clair, hein. On l'a pensé le plus lisible possible. Donc j'attends vos commentaires à ce sujet, n'hésitez pas à le faire en dessous de cette vidéo. Et sur cette nouvelle version, comme vous pourrez le constater dans les cours gratuits, il y a un petit onglet sur la droite où il y a marqué suggérer votre tuto. Oui, maintenant vous pouvez le faire de manière un peu plus officielle. Il y a un petit formulaire qui s'affiche, vous mettez le titre, vous mettez l'artiste, et puis moi je reçois ça, tac, je classe ça dans des dossiers. Et du coup le morceau avant toi répond justement aux demandes les plus fréquentes là que j'ai reçu ces quelques derniers jours. Donc je suis à la fois content de répondre à vos demandes et en plus d'être dans un morceau récent, ce qui n'est pas toujours le cas, rarement le cas, mais ça n'arrive jamais. Donc pour vous aujourd'hui, comment jouer le morceau Avant toi de Slimane et Vita, un tube qui cartonne en plus en ce moment. J'espère que j'aurai le temps d'aller jusqu'au bout parce qu'on est quand même encore en mode confining, qu'il y a le petit qui dort et que j'ai commencé à la bourre. Bref, c'est le challenge. Et donc si la partoche vous intéresse, parce que ça pareil, vous me le demandez tout le temps, j'ai mis le lien dans la boîte de description YouTube, ça se trouve chez Noviscore et c'est la partition de difficulté numéro 1. Voilà. Allez, le temps joue contre nous, c'est parti. Alors pour garder les bonnes habitudes, je vous dessine ici un petit point bleu pour vous montrer où se trouve le do du milieu. Donc il y a 3 grandes parties dans ce morceau, intro, couplet, refrain. On va démarrer par l'intro en étudiant d'abord la main droite. Hein. Au piano, on travaille toujours main séparée si on veut arriver à mettre les mains ensemble ensuite. Donc vous allez démarrer sur un ré avec le 4e doigt. Donc ce ré se trouve plus d'une octave au-dessus du do du milieu, hein, comme ça vous savez où est-ce qu'on démarre. Les notes qu'on va trouver dans cette première mesure seront ré, si bémol, sol. Ou sol, si bémol, ré d'ailleurs, c'est bien pareil. Il s'agit d'un accord de sol mineur, et il se trouve que c'est également la tonalité de notre morceau. Voilà, c'est pour ceux que ça pourrait intéresser. Donc ça, c'est les 3 premières notes, pour la première mesure, sol, si bémol, ré. Ensuite, vous allez juste grimper l'annulaire sur le mi bémol, d'accord? Donc l'accord est maintenant sol, si bémol, mi bémol. Ici, il s'agit d'un mi bémol majeur renversé. Donc les 2 premiers accords, sol mineur, ensuite mi bémol. Le 3e accord, vous conservez ce coup-ci que l'index sur le si bémol, le pouce descend sur le fa, et le mi bémol, enfin le 4, descend sur le ré. Donc on a fa, si bémol, ré. Il s'agit d'un accord de si bémol majeur renversé. Donc les 3 premiers accords, sol mineur, mi bémol, si bémol. Voilà. Et dans la 4e mesure, on aura uniquement besoin de notre ré, puis la. Voilà, tout ça, on verra à la fin. Donc une fois que vous avez bien chopé chacun des positionnements d'accords, on va appliquer dessus un motif d'accompagnement. Ce motif donne ceci, alors je prends le premier accord, vous allez faire la note la plus aiguë, la plus grave, le milieu, la plus grave. Voilà. Vous avez fait une moitié de cette cellule d'accompagnement, il vous reste juste à la reproduire une seconde fois pour avoir une mesure complète. Donc la première mesure donne ça, ré, sol, si bémol, sol. Deuxième fois le schéma, sol, si bémol, sol. Bravo, vous avez fait le job sur la première mesure. Dans la 2e mesure, on était sur l'accord de mi bémol majeur. Donc là, on ne jouera pas le 2e motif complet. On va faire ça. Premier motif, mi bémol, sol, si bémol, sol, mi bémol, 2, 3, 4. Celui-là, on le tient 4 croches au lieu de refaire ta 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 ta. Voilà. Les 2 premières mesures. Pour que ça claque tout de suite, je vais placer la pédale de sustain. J'appuie dessus. La pédale de sustain, c'est la pédale aussi dite de droite. Mais bon, pédale de droite, il paraît que politiquement, ça fait un petit peu de geste. Et là, du coup, je. Voilà, sustain. Alors, je l'appuie et c'est parti. Ré, sol, si bémol, sol. Ré, sol, si bémol, sol. Deuxième mesure, mi bémol, sol, si bémol, sol, mi bémol, 2, 3, 4. Après, je me déplace sur le si bémol majeur, c'était le fa, si bémol, ré, et je fais le même motif d'accompagnement 2 fois. Donc, ré, fa, si bémol, fa, ré, fa, si bémol, fa. Voilà. Et dans la dernière mesure, je vous avais dit que c'était juste ré, puis la, et vous compterez 4 croches sur chacune d'elles. Il s'agit en fait de 2 planches d'affilée. 1, 2, 3, 4. 4. Yes. Pour que ce soit propre au niveau de la pédale, il faudrait que vous la changiez dès qu'on change d'accord. Voilà, ça c'est un petit peu l'arrêt. Donc en gros, à chaque mesure, le pied se soulève et réappuie. Je rentre pas trop dans le détail là-dessus, parce qu'il faudrait que je fasse une vidéo complète et tout. Donc si vous me le demandez, je le ferai, parce que ça fait déjà plusieurs fois que j'en parle, et que je n'arrive pas à me motiver là-dessus. Donc maintenant, où est-ce qu'il se passe à la main gauche? Alors, on va placer le petit doigt sur un sol. Alors il est, par rapport au doigt du milieu, une octave, et encore une carte juste en dessous, d'accord? Donc je joue sol au petit doigt et je compte 4 croches dessus, c'est une planche. 1, 2, 3, 4, suivi de sol au pouce. 1, 2, 3, 4. Vous avez vu, le petit doigt se soulève quand l'autre arrive, un doigt chasse l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avec ça, vous avez fait la première mesure. Dans la 2e mesure, on était sur un mi bémol majeur à la main droite, qui était renversé. Et bien la main gauche, elle va jouer le mi bémol, la fondamentale.
Donc si on plaque tout, l'accord en fait n'est plus renversé puisque c'est la basse qui gagne. Donc mi bémol pendant 8 croches, c'est une ronde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les mains ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez fait les deux premières mesures, joli. Dans la troisième mesure, la main gauche fera si bémol au petit doigt pendant 4 croches, pareil c'est une blanche. Et si bémol au pouce. Pareil, c'est une blanche. Et dans la quatrième mesure, ce si bémol descendra sur un la qui sera ronde à nouveau, donc 8 croches dessus. Donc si bémol petit doigt, si bémol pouce, et quatrième mesure, le la, avec la main droite. À la main droite, on était sur le si bémol majeur, fa, si bémol, ré. Lui était renversé, pareil, comme la basse joue si bémol, l'accord ne l'est plus. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà, vous savez faire la moitié de l'intro. Donc je vous la refais. La deuxième partie, vous verrez, ça ressemble à 90%. Donc c'est parti déjà, ces 4 premières mesures. Et j'enchaîne sur ce qui suit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cinquième mesure, ça commence pareil. À la sixième mesure, c'est la même note, mais à la fin, ça change un petit peu, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il n'y a que ça qui change. Donc ça démarre de la même façon, mi bémol, sol, si bémol, sol, mi bémol, sauf qu'ici, au lieu d'avoir une blanche comme tout à l'heure, on a juste une noire, donc 1, 2, 3, 4, et on joue si bémol et sol, en fait, sur les septième et huitième croches de la mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Ensuite, la mesure 7, c'est pareil que la mesure 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et pour la huitième mesure, la seule chose qui change, c'est que sur le premier temps de main droite, au lieu d'avoir Ré, on va jouer Do. Par contre, à la main gauche, c'est toujours le La. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous savez faire toute l'intro. Félicitations! Allez, je vous la refais un petit coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes! Et voilà, c'est parti pour le couplet. Alors, les 4 premières mesures vont sonner comme ça. C'est joli, n'est-ce pas? Alors, là, main droite, elle va faire ceci. Premier temps, c'est un Ré. Donc, je vous le compte. Ça, c'est la noire. 3, 4. Ré, Fa, 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 Si bémol. D'accord? Ré, Fa, 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 Si bémol. C'est ce Fa, Fa, Si bémol, ce qu'on appelle un triolet de noir. Ça tient sur deux temps, mais pour l'instant, vous embêtez pas avec ça, vous le ferez, vous ajusterez à l'oreille, je pense que ça ira très très bien. 1, 2, et 3, 4. Okay. À la main gauche, on va avoir sol si bémol, suivi de si bémol. C'est une blanche, et ensuite une blanche encore. Donc, 1, j'appuie la pédale tout de suite. 1, 2, et 3, 4. Voilà. Alors, il faut toujours faire le temps suivant pour avoir vraiment là une logique. Ça, c'est le premier temps de la deuxième mesure du couplet. Donc, mi bémol à la main gauche, suivi de sol, si bémol à la main droite. Je vous refais encore ça. Première mesure plus un temps. 1, 2 et 3, 4. 1, 2. D'accord ? Donc après, ça va suivre la même logique d'accompagnement. Donc, à la main droite, on va, je reprends là-dessus, c'est le premier temps de notre mesure 2. Sol, si bémol. Ensuite, fa, 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 si bémol. Je refais la même chose que dans la mesure 1. Donc, 1, 2, 3, 4. D'accord ? Et tant qu'à faire, on rajoute un temps, le premier de la mesure 3. C'est un Ré si bémol. À la main gauche, sur cette deuxième mesure, pendant le Sol si bémol de main droite, on va avoir mi bémol, blanche, suivi de si bémol, blanche. Donc, 1, 2, et 3, 4. Et crac ! Voilà, ça c'est le premier temps de la mesure 3. Si bémol à la main gauche, Ré si bémol à la main droite. Je vous refais ces deux premières mesures plus un temps et j'enchaîne. 1, 2 et 3, 4.
droite, bah pareil que dans les mesures 1, 2, 3, sauf que j'ai commencé sur Ré, Si bémol. Donc 1, 2, Fa, 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 Si bémol. Vous voyez, c'est pareil. Et le premier temps de la mesure 4, ce sera Fa là. À la main gauche, pendant ce Ré, Si bémol, on va avoir ce coup-ci non plus des blanches, mais deux noires puis une blanche, en faisant Si bémol, Fa, Si bémol. D'accord ? Donc ça va donner ceci. Mains ensemble, troisième mesure. 1, 2. Vous voyez, le deuxième temps tombe là. Tout à l'heure, il n'y en avait pas, c'était une blanche. 1, 2, et 3, 4, et. Voilà. Et la quatrième mesure, ma main gauche descend sur un La, tandis que ma main droite va jouer Fa La. Voilà, c'est là qu'il chante. Mon sœur. Et après, on recommencera la même chose. Ouais. Alors la quatrième mesure, c'est donc Fa La, suivi ensuite de Fa, Fa. Je change volontairement le doigté dès que j'ai fait ça, parce que c'est pas très commode de rejouer deux fois le même doigt, surtout qu'après on aura besoin d'aller sur un Ré. Donc 1, 2 et 3, voilà. Je vous fais donc ces quatre premières mesures, et vous savez faire la moitié du couplet. Ouais. 3, 4, 1, 2 et 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 3, 4. Voilà, je ne sais plus si je vous avais dit à la main gauche, hein, pour la quatrième mesure, c'est La de temps, suivi de Re, La au pouce de Ta, pour que ça puisse tomber comme ça. De Fa, Fa, voilà. Une fois que vous avez fait ça, bah vous refaites la même chose. Normalement, il y aura un tout petit changement mélodique. Honnêtement, on ne va pas faire durer le plaisir 107 ans juste pour ce petit bidule. Du coup, je vous enchaîne sur les mesures 5 et 8, qui sont similaires aux mesures 1 à 4, et je vous enchaîne sur la suite. 3, 4, 1. Alors, à la main droite, on va trouver Ré, juste à côté du doigt milieu. 1, 2, 3, suivi de Sol, Sol, Sol. Donc là, pareil, on pourrait changer de doigté. 2, 3, 4. Bref, là, pour l'instant, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec les changements de doigté sur une même note, vous gardez le même doigt. 1, 2, 3, et 4. Et ensuite, la mesure suivante, Mi bémol, Sol. D'accord. Suivi de Sol, Sol. Encore Mi bémol, Sol. La, suivi de Fa, Si bémol. Voilà. C'était les mesures 9 et 10. Alors, je compte à la noire. 1, 2, 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2. Ensuite, Sol, Si bémol, Fa, La. D'accord. Sol, Si, Si, Fa, La. Suivi ensuite de La, La, Fa, Si bémol, La, Sol. Vous avez fait les mesures 9 à 12. Je vous les refais une fois et on voit la main gauche. 1, 2, 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4. La main gauche pendant ce temps-là va faire ceci. Vous placez le petit doigt sur un sol grave, donc pareil que tout à l'heure en fait, hein, comme au début. Et on va voir ça, je compte à la noire. 3, 4, Sol, Ré, Sa, Ol. D'accord, c'est la mesure 9. 1, 2, 3, 4. La mesure 10, vous faites Mi bémol, une blanche, Mi bémol, deux temps, puis Si bémol, deux autres temps. Voilà, c'était les mesures 9 et 10. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on aura Si bémol, Fa, Si bémol. D'accord, noir, noir, blanche, et pour terminer, mesure 12, le La, blanche, et le Fa, blanche. Ah ah ! Alors, tout de suite, main gauche, Sol, Ré, Sol, Mi bémol, Si bémol, et Si bémol, Fa, Si bémol, et La, deux temps, Fa, voilà. Mains ensemble, pas veteux. Thank you.
fait, on repartira sur la même chose. Pour les mesures 13 à 16, ça ressemble très fort à ce qu'on vient de faire sur les 4 mesures précédentes. Donc on était sur un sol à la fin de la mesure 12. La main droite ne rejouera pas. La main gauche refera en revanche sol, ré, sol, suivi comme tout à l'heure de sol, sol, sol. Après mi bémol sol avec mi bémol main gauche. Suivi de sol, sol. Jusque là, tout va bien, c'est exactement pareil. Et là, par contre, ça change. La main gauche joue bien si bémol. Par contre, à la main droite, on va faire la, do, fa si bémol. Alors, les mesures 13 et 14. Le sol était enfoncé de la mesure d'avant. 1, 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Et ensuite, il n'y a que de la main gauche. 1 et fa, si bémol, 4 et ensuite la main gauche ira sur la, fa, puis la au pouce. Avec la main droite, un do qui tient au début. 1 et 2 et 3 et 4 et voilà. Et elle est quasiment sortie d'affaire. Je vous refais donc ces mesures 13 à 16, hein, et comme ça on aura terminé cette partie. Donc le sol reste enfoncé de la mesure d'avant. Donc 1 et 2 et 3, sol, 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 mi bémol, sol, 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 la, do, fa, si bémol, si bémol, main gauche, fa, si bémol, blanche, do à la main droite, la à la main gauche, fa, main gauche. Quand je tape le la main gauche, je vais faire do à la main droite, ré. Dans la démo du début, parce que je trouvais ça joli, au lieu de faire que do, ré, j'ai fait do, do en octave, do, puis ré, ré. D'accord. Et puis après, je faisais ce qui était indiqué sur la partoche. Donc la suite et fin de cette partie, c'est de faire donc demi-bémol à la main droite, deux temps, 1, 2, 3, je le retape. Ensuite, je vais jouer sur le E du 4, la note sol. Donc 1, 2, 3, 4. Et, ok, 1, 2, 3, 4, et, ensuite je vais jouer mi bémol sol, suivi du la tout seul et du si bémol, donc 1 et 2 et 3 et 4, et je fais deux fois pareil dans cette mesure-là, 1 et 2 et 3 et 4 et, donc les mesures 17 et 18, 1, 2, 3, 4, sol, sol, la, si bémol, sol, la, si bémol, et les deux dernières, ré, sol, 2, 3, 4, tiens, 4 temps, presque 4 temps complets en fait, puisqu'on part sur le et du 4, en faisant et, sol, la, si bémol, la, d'accord. Donc mesure 19 et 20, 1 et 2 et 3 et 4. Et 4 et. La main gauche sur ces mesures 19 et 20, vous allez faire mi bémol suivi de si bémol, blanche blanche, et ensuite fa do une ronde. Donc 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et. Petite dernière fois ces mesures 17 à 20, et je vous rejoue tout ce couplet. 1 et 2 et 3 et 4 et. Voilà. Je vous refais tout depuis le début une petite fois. Intro. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Deuxième fois ça. Thank you.
et ensuite c'est le refrain. Malheureusement, je ne peux pas vous l'expliquer aujourd'hui parce que le petit vient de se lever. T'es déjà fait pour rater un petit peu, je suis navré. Alors à faire un truc, si ça vous plaît, vous me le dites et je vous enregistrerai un deuxième tuto pour compléter parce que c'est un petit peu dommage, mais franchement, désolé. Impératif de famille. Voilà, hein, comme je le craignais. Donc du coup, je termine ça vraiment à l'arrache pistache. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous laissez un petit pouce bleu, vous laissez des commentaires. N'hésitez pas aussi à aller voir le site, hein, je le redis à la fin, galagomusic.com, afin de me donner vos impressions, parce que quand même, on a vachement bossé. Alors du coup, ce serait bien que ça vous plaise. Et avant de vous quitter, si justement vous souhaitez soutenir le travail de Galago, sur le site, il y a un onglet « Faire un don », voilà, soit par PayPal, soit par carte bleue maintenant, truc sécurisé, c'est tout nouveau, ça marchera bien. Ou bien éventuellement, consulter déjà les bandes annonces des packs payants qui sont à votre disposition sur le site. Je vous laisse, faut absolument que j'y aille. Je vous embrasse de loin, à très bientôt. Ciao. J'arrive.